les gars, assez impacté. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier top 5 commenté. Donc voilà, vous êtes assez nombreux quand même à m'avoir demandé de faire ce type de vidéo, pardon. Et donc, bah voilà, c'est fait. Juste pour information, je vais créer une adresse mail auquel vous pourrez m'envoyer vos clips. Et à chaque fin des top 5, j'annoncerai le thème du prochain top 5. Et il sera aussi marqué dans la description. Comme ça, vous aurez toutes les infos dans la description et à la fin de la vidéo à chaque fois. Et aussi, là je m'adresse à d'éventuels VFX ou GFX dans mes abonnés, qui sera assez bon pour me faire des transitions. En fait, vous savez, quand ça affiche le numéro 5, 4, 3, 2, 1, ce genre de choses, tu sais, entre les clips, ça serait cool de me le dire si vous savez faire ça. Comme ça, on verra ça ensemble si vous savez le faire. Et le premier de chaque top 5 gagne ma subbox, hein, même si j'ai que 2000 abonnés, je pense que ça peut toujours aider un petit peu. Et donc la subbox jusqu'au prochain top 5, je sais pas à quelle fréquence j'en ferai, je pense un toutes les deux semaines, ça peut déjà être pas mal. Et puis voilà, pour ceux qui se demandent, là la vidéo de fond, c'est mon premier montage en FFA, peut-être que vous êtes sûrement beaucoup à ne pas l'avoir vu, vous pouvez toujours aller le voir sur ma chaîne, il doit être dans les premières vidéos. Enfin bref, c'est parti les gars. Et on ouvre le bal avec Amazing Simos, donc qui va nous rentrer un spot assez compliqué à mettre par manque de hauteur justement, qui empêche de faire du complexe. On est obligé de faire un trickshot simple de ce spot, donc il a quand même réussi à le mettre alors que vous avez très très peu de hauteur vraiment pour le mettre. Moi j'avais moi-même essayé de le mettre pour ma vidéo et j'avais pas réussi, donc GG à toi mec. 5ème place. À la 4ème place, donc on retrouve DRM pardon, player 56, hein, GT comme on les aime, hein, à la bien petit random toi, non je rigole, GG à toi déjà pour la 4ème place. Et voilà, donc il va ramasser le DSR, petit cut insta swap, voilà, insta swap, can swap, boum, le semi cross single sur le setup, donc, et voilà, le ralenti vidéo, parce qu'il m'a dit qu'il avait eu un problème, il n'avait pas eu la kill cam, donc il y a juste un ralenti, voilà. À la 3ème place, on retrouve Atomic, donc du même spot. Et ce qui m'a fait assez rire sur ce trick shot, c'est que justement au début il bute son pote en mode non toi tu tenteras pas, et boum il rentre la collate semi cross donc sur les setups. GG à toi, une petite doublette comme ça, ça fait toujours plaisir. Voilà, il bute son pote là, ça m'a fait délirer en mode non tu tenteras pas, et boum il le rentre, le magnifique trickies. GG à toi mec. À la 2ème place, on retrouve Symbol, donc j'ai rien compris à son trickshot, hein, moi j'appellerais ça un trickshot Warzaza tout simplement. Voilà, il va faire cut, sortir le foudrement, plein de reload, Tomahawk, boum, il tire, enfin bref, j'ai 10 ans de retard sur le commentaire, c'est pas grave, mais en même temps il a fait trop de trucs trop rapidement. Donc voilà, GG à toi mec, 2ème place, vraiment, tu m'avais pété avec ton trickshot, dommage que ce soit un peu plus collé que les autres, enfin un peu plus collé, il y a quand même de la distance, mais voilà, ça aurait pu être d'un peu plus loin. Après un trickshot pareil, je sais pas d'où tu pouvais le mettre, mais GG à toi gars. Et à la 1ère place, attention là on retrouve Atlasidius vraiment qui a mis un shot mais monstrueux d'un spot insane, franchement il était immétable ce spot et il l'a mis avec un trickshot vraiment super clean, regardez ça. Attention, reload, sélecteur de tir, boom, fake shot, et il le met. Là, on peut dire que c'est du across the map, franchement. GG à toi, mec. En plus, on voit qu'il court partout en mode putain, qu'est-ce que j'ai mis? Oh my god, Return Reaper, no way! Enfin, bref, voilà. En plus, il y a Zedsker dans la partie, notre ami préféré. Donc voilà, il arrête la partie pour contempler sa petite killcam. Donc j'en profite pour vous dire que c'est la fin de ce top 5. Le prochain top 5, ce sera un top 5 trickshot. Donc tous les call-off, hein, tous les call-off que vous voulez. Même ça peut être sniper ou à la fall ou à tout ce que vous voulez. Bref, en ligne par contre. Donc voilà, vous m'envoyez tout ça à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Et moi je vous dis ciao bye bye les gars.